action est passée. Ah, absolument, il y a faute. Action qui est à Nabil qui a tenté de. Vous voyez, il a fait un bloc. Oui. Un bloc où il a poussé carrément le joueur Bassamoua. Nabil, droitier. La frappe! Elle est Nabil! Keïta Nabil! À la 53e minute! Ici, son troisième but! Les deux buts de la formation de Bassam sont des jeux de plongée. Regardez! Regardez ce bijou! Il tend bien le corps et il shoot un poteau rentrant! Keïta Nabil marque ce but imparable malgré la parade de Zoumbra Ousmane. C'est un bijou de but, ça fait deux buts d'anthologie cet après-midi pour les Zensu Bassam. Bassam a deux et l'Asie a un, mais quelle sa technique. Diallo Bakary, oh, oh, c'est bien joué, oh, l'égalisation sur ce ballon de Diallo Bakary, ballon envoyé par le portier, Tolan Franck en embuscade. Meïté Nabil qui se rachète, celui qui était à l'origine de cette mauvaise action. Dans ce sportif de meilleur. Regardez un peu ce coup franc, après il y a eu la claquette du gardien de la danse sportive de Bafi. Malheureusement, la balle revient à un joueur de Bassam, Meïté Nabil, qui pléchant allume. A défaut, une reprise instantanée de Meïté Nabil. Et toute la défense de Bassam a été apathique, de la danse sportive de Bafi. A été apathique sur ce coup-là. Mais quel but, hein? Et quel coup franc! Il est allé chercher le ballon. Malheureusement, pour l'attente sportive de Bafi, Meïté Nabil était bien. Et il a réduit. Pardon. Il a. Et légalise. La muraille, on va dire, congolaise. On a maintenant ce ballon avec Dominique Mévi. Dominique Mévi. La frappe instantanée! La frappe instantanée! Titi, c'est encore cet homme, ce diable de Nabil Meïté. Vous allez voir comment il reprend ce ballon à l'entrée de la semaine de rémunération. C'est extraordinaire. Son sixième but de la saison. Son sixième but de la saison, et surtout ce travail grandiose fait par son coéquipier. Il reprend tout de suite. Défenseur, c'est un geste zidanesque, mon cher. Patrick Tadié, ça me rappelle ce but d'anthologie que marque Zinedine Zidane à la Ligue des Champions quand il était au Real Madrid. Quel but de Meïté Nabil, comme quoi Meïté Nabil est un habitué de ce genre de but grandiose. Félicitations, mon sixième but de la saison. Il n'a pas eu le temps, donner le temps, notamment à Dante El Hadj de se positionner. Dozebo, il était vraiment utile pour son équipe. Regardez cette contre-attaque. Mais il faut du monde, il n'y a pas beaucoup de monde. Ils ont pas. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Et le but de Meïté, Meïté qui permet à la formation de la Zidane Belgourou d'égaliser carrément dans les dernières minutes du temps réglementaire. On l'a dit, il fallait faire attention. Ils l'ont réussi. Meïté, Abdou, c'est beau. Ah, on voit encore là la belle action amenée encore par Savansan Koulibaly. Voilà qui cercle sur un plateau d'or. Meïté qui n'a plus qu'à ajuster Guy. C'est très très bien vu et puis c'est mérité sur ce qu'on voit là. C'est vrai qu'il y a eu la première période pour l'USC Bassam et la deuxième pour l'Asie tout simplement. Quelle fin de partie, Roger. Fin de partie, Roger. On l'a senti venir. Une équipe de Bassam qui avait perdu. On va dire quelle fin de championnat. Parce qu'il reste encore beaucoup de buts. Et voici un autre but signé. Encore cet homme qui va encore donner l'avantage à cette formation. Son septième but de la saison, Meïté Nabil. Emegé Titi. C'est un la défense là, la défense de Kologo a été passive. Aucun posté au corps de la défense. Il est libre de tout marquage et de la tête. Regardez comment il appelle le ballon. D'abord, il y a un faux trail de son partenaire. Et lui, tout de suite, il met la tête. Et malheureusement, Aga. Ils viennent donc mettre quelque peu à l'eau ce grand but de Christian Kala, mais c'est pas fini. Kaloufoué. Il va laisser contrôle maintenant. Oui, lui aussi également, il est bon. C'est Nobu, Donald. Mais le problème, c'est qu'on ne finit pas ses actions. Voici Meïté Nabil. Oh,
Gomez. Réalisation de l'USM Assam avec Aïtiti. Et quel but, mon cher Patrick.